Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons voir un nouvel exercice où nous allons utiliser la trigonométrie pour sa résolution. Donc voilà la situation, nous avons un triangle ABC qui est rectangle en C, tel que AC égale 3,2 cm, l'angle ABC fait 29 degrés et nous voulons calculer BC. Je vous propose de faire pause pour essayer de résoudre cet exercice par vous-même et ensuite de regarder la solution. Donc on peut schématiser la situation, donc nous avons ici l'angle ABC qui fait 29 degrés. Et nous connaissons le côté AC qui fait 3,2 cm. Donc par rapport à cet angle, le côté AC est le côté opposé à l'angle ABC. Et nous cherchons le côté BC qui est le côté adjacent de cet angle. Donc nous allons utiliser la formule côté opposé sur côté adjacent qui est celle de la tangente de l'angle ABC. Donc mettons en place notre rédaction. Donc nous sommes dans un triangle rectangle, donc nous pouvons utiliser la trigonométrie. Et ici en particulier la tangente de l'angle ABC qui est égale au côté opposé AC sur le côté adjacent BC. On remplace par les données de l'énoncé, ce qui nous donne tangente de 29 degrés égale 3,9 sur BC. Et là maintenant nous pouvons utiliser l'égalité des produits en croix pour trouver la longueur BC. Ce qui nous donne que BC fois tangente de 29 degrés est égal à 3,2. Et ce qui nous donne que la longueur BC est égale à 3,2 sur tangente de 29 degrés, ce qui est la valeur exacte de la longueur BC. Pour obtenir une valeur approchée, nous utilisons la calculatrice et nous obtenons que BC est environ égal à 5,8 cm.